Yep, tout le monde, c'est Naïdic. Aujourd'hui, on se retrouve pour la partie 11 de Batman. Je me rappelle plus très bien ce qu'on avait fait la dernière fois parce que ça date un peu. Je suis désolé. Alors, on va aller au point. Est-ce qu'on va aller sur un local? Je sais pas. On va essayer d'y aller quand même. Hop là. Est-ce que je peux commenter? Ouais. Non, j'ai pas peur de l'épouvantail. S'il était si horrible que ça, il aurait pas besoin de son gaz, non? Ok. Pourquoi à chaque fois il n'y a pas les. J'aimerais bien savoir où ils sont. Tant pis, bon, bref, on va aller au point là-bas. Hop là. Hop, et on va appeler notre Batmobile. Ah mince, j'ai pas le temps d'esquiver. Désolé, hein, je parle pas beaucoup parce que je sais pas trop quoi dire. Ok. Allez, Batmobile, pourquoi tu viens pas? Par contre, je suis en train de le défoncer là. Ah mince. Ah mais par contre lui j'arrive jamais à l'esquiver. Et dire ils sont tous morts mais non, finalement non. Allez, et là, c'est bon? Appeler la Batmobile. Non. Ok. Je crois que c'est le nôtre. Il me semble que c'est comme le nôtre. Chef, nous pourchassons un avion qui fonce vers Grande Avenue. Ce truc vient de virer à 180 degrés avec une pointe à 12G. Je connais personne capable de faire ça. Moi si. Qu'est-ce que c'est que de partir en guerre? Ok, il nous a mis une amélioration, je pense, sur notre Batmobile. Ouais. Ok. Alors. Diamondback, touché. Voilà. Non, par contre, j'ai essayé de casser du mal. S'il vous plaît. Voilà. J'ai perdu un drone. Voilà. Une boîte pour 4. Batman a détruit un drone. Voilà, et là qui est derrière. Voilà, il n'y a plus de drone. Unité de Kingston, hors ligne. Monsieur, j'ai fait des recherches sur l'ancien réfrigération, comme vous l'avez demandé. On dirait que Maître Grayson enquête sur le sujet depuis un moment déjà.
Bien. Dites-lui de m'envoyer ce qu'il a. Il insiste pour vous voir en personne, monsieur. Il est parti de Bloodhaven avec les informations requises. Il vous retrouvera sur le toit qui surplombe la gare maritime de Ranlag. Merci, Alfred. En attendant, monsieur, si l'on en croit les analyses, le chevalier d'Arkham a posté ses lieutenants dans les transports blindés répartis à travers la ville. Nous avons l'un de ces véhicules en ligne de mire. Si vous voulez intervenir pour l'éliminer de l'échiquier. Ok, bah je crois qu'on va aller. On va aller. Soit on continue. On va quand même continuer, on a 33% de toute la mission, on va continuer pour. Voyons ce qu'a Nightwing sur North Refrigeration. Si je trouve le pingouin, je trouverai le chevalier d'Arkham. Tout à fait, monsieur. Maître Grayson vous attend en haut du bâtiment qui surplombe la gare maritime de Ranlag. Allez, go. Ah ben, c'est bien. Il est là. Et après. Ok, c'est le bobo. Ok, hop. Et voilà. Je sais pas si c'est chiant parce que j'ai envie d'aller faire la mission, mais en même temps, vu que ça va vite à se barrer. Ok, je vais. Alors, encore en train de rôder sur les toits? Tu n'aurais pas dû venir. Pas ce soir. Tu plaisantes ou quoi? Quand j'ai su pour Barbara. North Refrigeration. Dis-moi ce que tu sais. Le pingouin fait sortir des armes de Bloodhaven dans des camions frigo. Je pense qu'il stocke les armes ici à Gotham, mais la question est où? Cobblepot est notre meilleure piste pour Barbara. Il faut que je trouve cette planque d'armes. Si je peux intercepter un camion, il me mènera droit à eux. Hein. Si seulement tu connaissais quelqu'un qui a noté leur trajet. Quoi? Tu pensais quand même pas que je viendrais là sans avoir un plan? Je m'en occupe. Il faut que tu regagnes Bloodhaven. Allez, Bruce. Laisse-moi t'aider. Tu peux pas tout faire tout seul. C'est trop dangereux. Je ne veux pas perdre qui que ce soit d'autre. Bloodhaven te réclame. D'accord. J'ai compris le message. Si tu veux garder un œil sur ce camion, utilise ça. Tu as sous les yeux un prototype dernier cri. Le vieux Fox s'est surpassé sur ce coup. À bientôt, Bruce. Super, on va te gunner une arme. Pas mal. Ok. Est-ce qu'on peut tirer, là? Je peux désactiver leurs armes grâce à la... sabotage du brouilleur. Je n'ai droit qu'à 3 tirs. Je dois bien choisir mes cibles. Merde, c'est cadeau. Où est le piège? Oh merde, c'est... Tout a été payé. De quoi tu te méfies? J'entends bien que ça te plaît pas à des flammes gratuits. Tu ressembles au type qui a tué mon frère. Et toi, celui qui a refait... Quelle tristesse. Des malfrats à la petite semaine qui se mettent à travailler ensemble. La caisse est électrifiée. Ceux qui essaieront de se ravitailler vont avoir un choc. Ok. Et puis là, il y a deux personnes à tuer. Ok. L'arme est neutralisée. Si j'utilise à nouveau le brouilleur, elle explosera au tir suivant, assommant l'utilisateur et renversant tout le monde à proximité. Il avait l'air sympa. C'est vrai? Non. Il... Ça y est, j'ai saboté l'équipement. Je n'ai plus qu'à me présenter. Est-ce qu'il lui appartient ou tout raflé et cette bouteille? Tu l'as déjà vu de près? Enrayé, merde! Ok, c'est bon, je crois que là, on les a eu. Ah mince, je peux pas esquiver ses coups à lui, c'est dommage. Quand ils sont rouges, je peux pas les esquiver. Rond et carré, carré, carré. Hop là. Tu peux pas me toucher. Ah, tu vaux que dalle. Utiliser. Tu réussiras jamais à me toucher. Okay. Hop là, c'est bon, on l'a eu. Ok, après, qu'est-ce qu'on doit faire? Voyons. Un camion rempli d'armes et d'explosifs.
je peux utiliser la fonction pistage du brouilleur pour marquer le véhicule et le suivre dans Gotham. Bien. Je n'ai plus qu'à les motiver un peu pour qu'ils me mènent à leur repère. Ok. Qu'est-ce que t'as oublié ? Non, c'est Batman ! Dégage vite de là ! La subtilité marche à tous les coups. En restant sur les toits, je pourrais les suivre jusqu'au dépôt d'armes cachées du pingouin. Ok, donc là on n'a pas besoin de Batmobile. Le marquage du véhicule reste effectif, et ce, même à travers les bâtiments. Mais il faut que je garde la cible en vue et à portée. Qu'est-ce que tu fais ? T'essayes de tuer ? C'est Batman ! Il faut qu'on se tire d'ici ! Ah merci, j'ai raté. Non mais ça va pas ! Ça le mènera tout droit à Cobblepot ! Alors je fais quoi ? Contente pas de rouler, on réussira de t'étaler ! Ok, donc là... Je suis en train de les perdre, je pense. Je conduis là. Ok, je le vois pas. Tu crois que l'aspect ? Allez là. Qu'est-ce que j'en sais ? Continue à regarder. Il faut qu'on en soit sûr avant de rentrer. Allez. Allez, Spider-Man. Mais non, mais pourquoi tu parles là ? Quel épouvantail de s'occuper de cette foutue chauve-souris ! Allez, go. Oh non, j'aurais pas dû vous montrer. J'aurais pas dû. Bon, ils vont partir vers là-bas. Où est-ce qu'ils vont là? Ok, donc là, hop, on va utiliser un crapin. En vrai, ça va, ils vont pas si vite que ça, mais bon. C'est parce que j'arrive pas à utiliser bien le crapin, quoi. Je le vois plus, je crois qu'on l'a semé. Bon, on retourne au bercail avant que ce fumier vienne. Alors, où est-ce qu'ils vont aller maintenant? Ils vont par là. Ce coup-ci, il faut pas que je me mette devant eux, parce que sinon... Partir moi. Non, qu'est-ce que je fais? Allez, monte. Personne vous a suivi? Batman a essayé, mais on lui a fait peur. Ouais, c'est ça. Magnez-vous le cul, le boss veut nous parler. Et il aime pas attendre. Ils m'ont mené tout droit au stock d'armes du pingouin. Je peux pas rentrer dedans. Le rideau métallique est verrouillé. Je dois trouver un autre moyen d'entrer. Oh, il y avait des gens derrière moi. Le toit est lourdement gardé. Ce doit être le point faible. Mm-hmm. Ah, comme par hasard, on est monté comme ça. Comment ça se fait qu'on soit coincé ici pendant que le boss fait sa réunion ? Bah, il veut que l'endroit soit protégé. De qui ? De Batman ? C'est plus double face qui m'inquiète. Je n'ai plus de munitions. Allez, hop, on y va. On va aller miner cette tourelle là. Allez. Non, détruire. Voilà. Une tourelle en moins. On va essayer de faire ça dans la discrétion. Ah, je pensais que c'était le Joker là, terminant. Ok, bah je pensais qu'il m'avait pas vu moi. A priori, si. Ah. Oh non. Oh putain, je suis mort. Allez, go. Ignores-tu, chevalier noir, qu'on ne peut combattre la peur ?
Ok, bon, cette fois-ci, je vais faire les choses bien, si je fais pas de bêtises. Alors, on va utiliser ce pistolet. C'est quoi ce temps de merde? Finalement, le pingouin est pas si con avec son parapluie. Hop. Pourquoi j'ai bougé, là? J'ai pas... Voilà, et une caisse de ravitaillement qui est là, ok. Voilà. Donc là, j'ai eu les deux pistolets principaux et la caisse de ravitaillement. Ah, mince. Non, non, mais non, mais... Barre-toi, Batman, barre-toi. Bah oui, mais j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Batou, espèce de charlot, je ne marche pas. Batou ? Batou ? Bon, allez. Ce coup-ci, je refais la même chose, mais je me fais pas voir. Je pensais pas qu'il allait y avoir quelqu'un derrière moi, en fait, c'est ça le problème. C'est que je l'ai vu à la dernière truc. Alors, zoom, on va casser déjà la bouteille de ravitaillement. Hop. Alors ici on a une meilleure vue. C'est plus double face qui m'inquiète. J'y crois pas à ces conneries de virus. Je préfère quand même bosser pour double face que pour l'épouvantail. Oh. Il me fout vraiment les genoux ce type. Allez, passons. Mais non mais, comme par hasard, il y a toujours quelqu'un quoi. Hop. Bon, on les a eu là. Ouais. Non, je voulais détruire. Voilà. C'est trop tard. Mais on trouvera celui qui a fait ça. L'enfoiré, c'est de la fumée. Hop. Quelqu'un a dû le voir passer. Voilà, on l'a eu. Là, je sais qu'il y a une tourelle là, donc on va aller l'éliminer direct. Là. Puis c'est toujours mieux, au moins, il part par derrière et puis on va aller par devant. Voilà. R2, oui. Où est-ce qu'il est passé ? Sécuriser la zone pour continuer. Ok. Ouais, mais où est-ce qu'ils sont les personnages? Enfin, les personnages, ouais, les méchants. C'est quoi ça? Non, je pensais que c'était pour récupérer de la vie, mais a priori, non. Alors, est-ce que... Là. Pourquoi dire... Hop là. La zone est sécurisée. Il est temps de faire un saut chez Copenhague. En gros, il ne servait à rien de faire la zone du ravitaillement, quoi. Il n'y a pas de pistolet. Oui, non. Oui, non. Pas de pistolet. Si, là, il me semble qu'il y en a. Ah, non, on ne peut pas tirer à travers. Ah, non, c'est quoi ? Comme vous le savez, bordel, il va me falloir une plus grosse boîte. On s'est associé aux autres par jour. Non, non, je ne peux pas tirer à travers. C'est dommage. On va rentrer par là.
On va faire un spectacle. Génial. Il ne sait même pas que tu es là. Vas-y. Ça sent bon. Ils sont tous là. Ouais, mais on va pas se montrer en plein milieu de tout le monde, non ? Tu auras ta part, c'est promis. Bon. Vous avez d'autres questions ? Je vais pas me montrer en plein milieu de tout le monde. Ça me paraît bizarre. On attend. Continuez à fournir tous les tocards qui se pointent avec du fric. Le chevalier d'Arkham, Barbara Gordon, dis-moi où ils sont. Alors c'est elle la captive, la petite fille chérie du commissaire. Je vais briser tous les os de ton corps, Cobblepot. Ils allaient voir un vieux crouton, Simon Stagg. Je crois qu'il dirige une société pharmaceutique ou un truc comme ça. Je te préviens, ne me mens pas. Non, je te jure, on dit qu'il va quitter Gotham. C'est dirigeable au-dessus de la West River, ils sont à lui. Relâche-le! On va tirer, Batman! Ça ne servira à rien. Okay. L'épouvantail va te détruire. Tu es fini, Batman. Ok, donc, là c'est le pingouin, c'est ça. Admirez ça. Je suis ma super. C'est comme ça que tu gères la situation. Comment il s'appelle? T'en fais pas, c'est la moindre des choses. On va t'expédier ce qui est fait. Hop. Évite ça. Fais ça en rythme, Batman. C'est fini, mon naze. Mon bon vieux temps. Ah, elle est pas mal celle-là. Mince. Moi je serais plus. J'avais plus envie d'éliminer les petits et de garder le monstre pour la fin. Mais... Ah! Je sais pas comment faire pour une. Ouais, on a eu le boss. Bah finalement, c'était bien. Ok, lui, c'est le dernier, je pense. Ouais. Aucune de ces armes ne doit arriver dans les rues. Cet entrepôt doit être détruit. Ok, bah je pense qu'on va détruire... On va détruire l'entrepôt et puis je vais arrêter là. J'avais les choses en main. Je te l'ai dit, j'ai besoin de toi, Bloodhaven. L'épouvantail, ces armes, ça concerne aussi Bloodhaven. C'est ici que je dois être pour aider. Écoute, avec la quantité d'armes que le pingouin fait circuler dans la ville, il y a forcément autre chose. Il doit avoir d'autres dépôts cachés dans la ville. Cherche des indices ici qui pourraient nous permettre de localiser d'autres camions réfrigérés du pingouin. Alors, on va détruire un peu. On est venu de lui régler son compte. Ah. Non, mais franchement, je parle même pas du monocle. Il croit sûrement que ça lui donne l'air plus menaçant. Oh, mais non, on va faire exploser plus loin, non? Ça va pas bien dans ta petite tête, bateau, si tu appuies sur la gâchette. Tu nous descends tous les deux. Ouais, c'est ce que j'allais dire, faut que je me barre avant. Je vais chercher Barbara. Je te contacterai dès que j'aurai repéré un des camions du pingouin. Merci, Dick. J'apprécie ton aide. Ça sert à ça, les amis, Bruce. Si tu appuies sur la gâchette, tu vas nous faire exploser. En temps normal, je paierai un bon prix pour voir ça, mais on n'a vraiment pas le temps. De fait, on doit faire quoi? Je dois faire quoi?
Fermez la porte de la chambre forte contiendra l'explosion. Ah ok. Ouais. D'accord. Parce que je me disais bien, bah merde, on n'est pas en train de partir. Qu'est-ce que tu fais, Batou? S'il te plaît, m'enferme pas là-dedans. Je ferai ce que tu voudras. T'as besoin de faire une lessive, je m'en occupe. Tu veux que j'aide Alfred? Pas de problème. Je devrais m'éloigner avant de déclencher l'explosion. Ok. Ouais, je pense qu'on va s'arrêter là. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça me ferait vraiment plaisir. Sur ce, au revoir.